À tous, c'est Tony White. Aujourd'hui, on se fera pour une vidéo sur tout simplement comment mettre ses drivers à jour. Alors, dans cette vidéo, nous allons apprendre comment mettre ses drivers à jour. Par exemple, quand vous êtes ici, mais que vous n'arrivez pas à mettre votre carte graphique à jour, alors que pourtant vous savez très bien qu'il y a une mise à jour pour votre carte graphique, du genre, par exemple, matériel audio, vidéo, de ça, périphérique et imprimante, par exemple, si vous voulez mettre à jour. Par exemple le wifi, moi par exemple c'est le USB, mais vous, si par exemple vous voulez mettre à jour, vous aurez un petit truc mise à jour à côté. Exemple, sur l'écran il y aura un truc mise à jour, si vous voulez mettre à jour, souvent il y a, quand vous cherchez ici dans gestionnaire périphérique par exemple, vous avez tous les périphériques, donc carte graphique, processeur, souris, ça. Et à partir de là, vous pouvez mettre simplement votre carte graphique, voilà, mettre à jour le PLP. Mais quand vous pouvez pas mettre à jour, quand vous pouvez pas mettre la bonne mise à jour du PLP justement, parce que bah ça peut être tout bête, par exemple des fois c'est Windows qui est pas assez puissant pour mettre à jour, ça peut être aussi parce que vous avez pas trop de connexion ou je ne sais quoi, ou alors tout simplement vous ne savez pas si vous avez fait la bonne mise à jour ou je ne sais quoi. Donc du coup, c'est alors pour faire la mise à jour donc du matériel, on va donc installer Driver Booster sur ce site internet iobit.com. FR, driver, booster, enfin voilà. Je vous mettrai le lien dans la description comme d'habitude. Comme vous pouvez le voir, il est disponible de Windows XP jusqu'à 10. Donc Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 et 10. Alors voilà, on peut, du coup ça rend plus rapide aussi de mettre à jour quand on met à jour ses composants. Souvent ça c'est plus rapide parce que par exemple quand on met à jour sa carte graphique, on peut avoir plus de mémoire vidéo, ou alors quand on met à jour le processeur on a plus de puissance. Quand on met à jour tel ou tel truc, ça peut aussi régler problème. Si par exemple vous avez quelque chose comme ça, par exemple quand vous cliquez sur un truc Windows parce que votre carte graphique est pas assez puissante, ben, en gros dès que vous l'aurez mis à jour par exemple, ça vous aurez tout simplement, quand vous ferez un clic par exemple, peu importe, enfin bref. Donc du coup, dès que vous avez installé ça, vous avez une application rouge, enfin un truc comme ça, ça s'appelle Driver Booster 4. Quand vous l'ouvrez, ça vous donne tout simplement ça. Au début, alors moi c'est assez rapide, mais pour vous ça mettra très longtemps. En principe ça mettra environ une demi-heure, le temps de chercher toutes les mises à jour. Et en principe, dès que vous avez trouvé toutes les mises à jour, bah c'est tout bête, il y aura juste à mettre à jour. Alors moi par exemple, ici il me dit que la carte graphique, le contrôleur, tout ça, c'est pas à jour. Évidemment moi je l'ai mis à jour, enfin ici par exemple là c'est à jour. Mais quand vous mettez à jour, en principe il s'affiche ici. Mais si vous avez des mises à jour à faire, vous allez dans obsolète et puis en principe vous avez mise à jour ici. Soit vous faites tout mettre à jour maintenant, soit vous faites mettre à jour hors détail. Vous pouvez aussi avoir les détails de votre carte graphique, les installer, la mise à jour, etc. Enfin voilà, ça c'était pour la mise à jour. Si j'étais pas là le dimanche, pour faire une vidéo comme tous les dimanches ou les samedis, c'est tout simplement parce que bah justement j'ai mis à jour vers Windows 10 mon ordinateur de Windows 8.1. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, quand je clique ici, il y a ça. Et
Ben, je suis en bêta testeur actuellement. Donc, du coup, par exemple, quand je clique aussi sur Windows Store, j'ai pas toutes les applications. Ou alors, j'ai des petits trucs tout bêtes qui s'affichent. Simplement, voilà, j'ai des petits bugs de temps en temps, mais ça, c'est parce que je suis en bêta testeur. Alors, par exemple, je vais vous montrer c'est quoi les petits bugs tout bêtes. C'est par exemple quand je suis là. Vous voyez, je suis là. Puis quand je clique sur un truc. Par exemple, quand j'ai un truc qui peut pas, qui veut pas en gros, en quelque sorte marcher, bah, j'ai un petit bug tout bête. Là, ça se voit pas actuellement parce que j'ai de la chance, mais en principe, quand vous avez une application, voilà, ça fait ça. Mais vous en faites pas, c'est temporaire. Enfin bref. Donc du coup je comme d'habitude bah voilà donc du coup j'ai appris comment mettre à jour les composants de ça. Et puis bah voilà du coup c'est fait. Donc du coup bah maintenant je vous dis simplement comme d'habitude bah aimez si vous voulez, mettez like ou dislike, peu importe. Votre avis est important. Enfin voilà. Sinon je vous dis bah du coup comme d'habitude, bye. Et à une prochaine vidéo.